Quali attività porta avanti con l'associazione dedicata a Jeanette Power? Vous avez compris, oui, je sais pas, je sais le temps, à quelle date ou bien pourquoi j'ai conçu non, ça. Quelle est votre activité dans l'association de Jeanette Villepreux? Donc, je suis présidente de l'association Jeanne Villepreux Power et je l'ai appelée Jeanne Villepreux Power, femme de science et artiste, parce que c'était une femme de science, mais également un très bon peintre. Et moi-même, je suis peintre et quand je vois les aquarelles qu'elle a faites, je trouve ça magnifique. Lei è presidente di questa associazione, Jeanette Villepreux, ha nominato, ha dato il nome a questa associazione, proprio il nome stesso della donna, Jeanette Villepreux, e l'ha definita donna delle scienze e degli artisti, in quanto oltre ad essere una scienziata, Jeanette era anche un'artista e una pittrice come Anne Lan è. Ha fatto dei bellissimi quadri, abbiamo visto prima il polpo e l'argonauta, quindi c'è questa similitudine tra lei e Jeanette, tutte e due pittrici. Et en plus, j'ai voulu fonder cette association parce que j'ai rencontré il y a 5 ans un monsieur qui s'appelle Claude Arnal et qui avait fait des recherches pendant 20 ans sur Jeanne Villepreux parce qu'ils étaient nés dans le même village. Et il a rassemblé beaucoup de documents sur elle. Et quand je l'ai rencontré, il était âgé et fatigué et il a été très content que je m'occupe de Jeanne Villepreux Power. Et donc, je voulais... E tutto è iniziato quando 5 anni fa incontrò Claude Arnal, il padre di Jeanette Villepreux, il padre spirituale della donna. E ha scoperto che Claude Arnal aveva fatto per lunghi 20 anni delle ricerche su Jeanette Villepreux, delle ricerche molto interessanti. E oggi Claude Arnal, anziano e malato, ha passato ad Anne Lan il testimone di occuparsi di far rivivere questa donna, Jeanette Villepreux. E ha tramandato l'eredità di studioso ad Anne Lan. È adesso lei che si occupa di Anne Lan, di Jeanette Villepreux. E donc, depuis 5 ans, je m'occupe beaucoup de la promotion, de la remise en lumière de Jeanne Villepreux, parce que, bien que Monsieur Arnal s'en soit bien occupé, il avait du mal à la faire connaître du grand public. Donc moi je m'occupe d'une manifestation qui s'appelle Art et Sciences en Limousin sur ma région, c'est 3 départements et je mêle les arts et les sciences parce que je trouve que c'est beaucoup plus agréable pour le public de rencontrer les sciences à travers les arts. Et donc j'ai fait des manifestations en prenant Jeanne Villepreux comme figure de proue peut-être. E si occupa attraverso questa associazione di organizzare delle mostre, di organizzare degli eventi che mettono l'arte al centro di tutto, perché crede che il pubblico possa essere molto più interessato a scoprire questa figura anche attraverso l'arte. E donc j'ai fait faire pour Jeanne Villepreux des expositions très belles dans des musées en Corrèze, puisque elle était née en Corrèze dans un petit village. Et j'ai fait faire pour elle une exposition au musée de Tulle, qui est la préfecture, également au musée de Brive. Et chaque fois, c'était des très belles expositions où je mêlais, parce que je n'ai pas beaucoup de documents sur Jeanne Villepreux, je mêlais des peintures et des sculptures de naturalistes actuels pour accompagner l'exposition. Ha fatto fare presso il museo di Tulle, la prefettura, e presso il museo di Brive, che è la cittadina vicina dove vive Anne Lan, queste manifestazioni, questi congressi dove ha esposto queste pitture che aveva fatto Jeanette, anche se lei non aveva grande documentazione, non aveva tutta la documentazione a sua disposizione. E cosa rappresenta oggi questo convegno qui a Messina? Quelle est votre idée, votre opinion sur le congrès de ce matin ici? Je pense que c'est magnifiquement organisé. Je connaissais ce lieu parce que je suis venue il y a 2 ans pour chercher. J'aurais aimé trouver à Catane, parce que Jeanne Villepreux a été reçue à l'Académie de Catane à son époque. Et je n'ai pas trouvé des aquarelles, alors que je sais qu'il y en a, mais je ne sais pas où. Et j'avais été reçue ici par Michela D'Angelo. Et on m'avait fait visiter ce lieu que je trouve très agréable, très beau. J'avais déjà imaginé que ça pouvait être un lieu de rencontre pour les scientifiques ici.
È un congresso organizzato magnificamente bene, come lo ha definito. È un posto a cui è già affezionata perché 2 anni fa è stata qui, dovendo seguire delle ricerche a Catania, delle ricerche su Jeanette. La professoressa D'Angelo l'ha portata qui all'Istituto Elastografico, dove appunto fece visitare i luoghi vicini a Jeanette. E già allora, 2 anni fa, lei pensò che questo luogo poteva essere la cornice ideale per un convegno su Jeanette Villepré. Ce qui est amusant, c'est que Jeanette Villepreux faisait ses recherches juste de l'autre côté. Ici, il y a l'Institut océanographique et sur le port, au Lazaret, c'était là qu'elle mettait ses cages pour observer les poissons. Questo è il luogo ideale, ancorché Jeanette Villepré faceva i suoi studi oceanografici e i suoi esperimenti proprio in fondo a quella spiaggia dove ci troviamo oggi noi. E quindi aveva le cage, la Power, le cage alla Jeanette, erano tutti esperimenti che lei faceva proprio qui in questa zona, quindi non c'è posto migliore per parlare di Jeanette Villepré.